Arrête de bouger. Aïe, mais ça tire! C'est toi qui m'as demandé de le faire. Et si tu veux, je te laisse et tu vas les cheveux lâchés. Non, continue. Voilà, c'est fini. Ça te va? Oui, c'est parfait. Ok, je vais me changer, tu m'attends? Oui, je vais mettre mes chaussures. Lily, on va être en retard. Ah bah enfin, pourquoi ça te prend autant de temps de mettre un jean et un pull? Voilà, c'est bon. T'as tes clés? Ouais, elles sont là. Attends, tes écouteurs. Tiens, c'est bon, go. Waouh, wow, il fait ultra chaud. Comment tu fais pour être en pull? Mais... attends, on va vraiment être en retard, dépêche-toi. Il a dit des trucs importants. Je sais pas du tout, j'ai pas écouté. Elle a été convoquée pourquoi? Je sais pas. Sympa ton pull. Merci. Putain, j'ai vraiment rien compris, il est pas capable d'articuler ce mec. C'est incroyable. On rien à ce qu'il dit. Eh ben, elle t'a gardé longtemps? Elle t'a dit quoi? De changer de tenue. Elle a pas aimé le nombre et la l'air. Ni les bretelles trop fines ou les jambes pas totalement couvertes. Je t'avais dit de ta vie autrement. Tu m'as rien dit du tout. Là, je te l'ai fait comprendre. Ah putain, je respire enfin. Je te jure, cette histoire de masque, c'est que ça commence à bien faire. Bon, tu viens toujours au ciné ce soir? Ouais, de ouf. T'es sûre que tu viens pas avec nous, Lily? Non, ça va aller, je vais me reposer. Mais amusez-vous bien. Ouais, dommage. Bah, repose-toi bien. À demain. Salut.
dormir ici? Ouais, j'ai accompagné Cam hier après le cinéma, m'a proposé de dormir ici. Donc du coup j'ai pris le canapé. Eh ben dis donc, t'attendais quelqu'un cette nuit? Quoi? Pourquoi? Bah vu comment t'es habillée, tu devais t'attendre à passer une nuit agitée. Mais ça va pas? Mais qu'est-ce qui te prend de dire des trucs comme ça? Bah ça va, je rigole. Non, c'est pas drôle. Pourquoi tu lui as répondu comme ça? Elle rigolait. Bon, dépêche-toi d'aller t'habiller, on va bientôt arriver en retard. Tu vas y retourner comme ça? Quoi, comme ça? Bah la directrice t'a dit que c'était pas bien de s'habiller comme ça. Et toi, comment tu vas t'habiller? Puisqu'apparemment il y a une bonne façon de s'habiller, montre-les-moi. Sympa ton haut, ma belle. Merci. Tu vois, je te l'avais dit. Camélia, il me semble que vous êtes déjà venue à mon bureau hier à cause de votre tenue. Je pensais avoir été claire à ce sujet pourtant. Et ce que je vois aujourd'hui m'agace d'autant plus que vous avez incité Lily à vos mauvaises habitudes. Une mauvaise habitude, ce n'est qu'une tenue, madame. Bon, Camélia, nous n'allons pas avoir cette discussion. Les jupes, c'est en dessous du genou, le ventre à l'air, c'est hors de question, et les bretelles, je n'en parle même pas. Fin de discussion. Si demain je vous revois dans des tenues indécentes, je vous colle un avertissement. Et c'est pareil pour vous, Lily, c'est compris? Oui. Retour des souhaits de Lily, je suppose. Non. Ah, salut. Salut. Tu penses que le fus c'est quel type de dinosaure? Je sais pas vraiment. J'hésite entre un T-Rex et... Enfin, je sais pas. Je m'attendais pas à ça de toi aujourd'hui. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Pourquoi tu rigoles? Rien. Try to run and try to hide, but you can hide what's inside. You can run forever, no, you can run forever. Try to hide, try to hide.